Salut les amis, ça s'appelait de la synchro. Bienvenue sur ce Twitch où on a encore reçu des sons terribles. Donc je vous rappelle, on est en train de se constituer une petite armée de joyeux mercenaires. C'est vous les joyeux mercenaires. Quand je dis que c'est joyeux, c'est que voilà, vos sons sont terribles. Alors je vous ai fait pas mal de promesses, notamment celle de faire une playlist avec les morceaux que je préférais. Et ben on va s'en occuper cette semaine, d'accord? T'es d'accord, Yaïla? Si, enfin, si tu vas pas faire des tournages à je sais pas où, évidemment, Mademoiselle se la pète maintenant que c'est une réalisatrice. Voilà. Jeanne, tu pourrais nous filer des coups de main aussi. D'ailleurs, venez dire bonjour à Twitch. Bonjour, Alexis. Yes. Mélia. Voilà. Yasmine. Coucou. Voilà, vous êtes toutes là. Vous baissez. Vous êtes coucou. Salut, Yaïla. Jeanne. Jeanne. Et donc on va faire une playlist avec tout ce qu'on aime, ok? Ok, ouais, Moi, je carrément. pense même que vendredi, j'ai une chronique sur France Inter à 17h30 chez Charline. Et je pense que je vais chroniquer l'une ou l'un d'entre vous. Voilà. Oh, J'ai waouh. carte blanche. C'est cool, non? Je ne sais pas encore qui c'est. Salut, Caroline. On peut y aller, on peut diffuser? Ouais, vous pouvez y aller. Allez, Vous trop faites bien. quoi, là, exactement? Vous checkez tout ce que je dis? Ah, vous. Voilà. De Mandy, qui est là aussi. Mais c'est trop bien. Everybody's here. Bon, allez, c'est parti. On a encore une fois reçu des sons qui sont terribles. On est à peu près au point, j'espère, sur la technique, même si mon micro fait des peu. On commence avec un truc qui secoue un petit peu, mais c'est bien, c'est énergique. C'est l'artiste qui s'appelle Kemetu Beats. Donc je vous la fais en anglais. I'm a seasoned composer. Je suis un compositeur de saison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il a un label de librairie musicale. Ok. Il a placé plusieurs musiques. Son label s'appelle So Effective. Mixtape Mashup. Et il cherche des distributeurs pour une librairie qui s'appelle The Beat Shop. Il est d'où? Kemetu Beats. Putain, guys. Ah, UK, il est anglais. Et c'est un homme. Ça y est, on progresse. Je lis mes notes comme il faut. Donc voilà, c'est un jeune garçon anglais qui a l'habitude de faire des musiques à l'image, mais cette fois-ci, c'est une chanson pop légèrement et énergique qui s'appelle Down Like This. C'est parti. Drove me to the brain. Get it right to the brain. Life's simple.
Yeah. Alors lui, il s'appelait donc. Putain. Décidément. Il s'appelait Kemé Two Beats. C'est un anglais producteur. Moi, je trouve que la voix est super sympa. Je trouve que la prod, elle est un peu chargée, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. André, réponds à mes messages, s'il te plaît, chaton. Oh, what the fuck? Je ne lis jamais mon Insta, mais je vais le faire maintenant. Elle sature un peu, ouais. Alors, on sent que... je trouve que la voix, il y a un petit côté très british entre Depeche Mode et puis le chanteur de ce groupe génial qui s'appelait les Talking Heads et tout ça. Il y a quelque chose de chouette. La prod n'est pas assez organique. Elle mériterait à être un peu moins chargée, fournie. La chanson est plutôt sympa. Le gimmick peut être sympatoche et tout. Mais... Bon, voilà, le rythme un peu fourni. Et surtout, moi, je pense que c'est avec la rythmique qu'on définit le mieux le style. Quoi. Je crois que c'est l'élément le plus important. Et là, on est un peu dans une tech un peu 90, quoi. Un peu Depeche Mode, un peu Simple Minds, un peu tout ça. Peut-être que tout ça, c'est un peu passé. Peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de trucs plus simples, plus organiques. Voilà, je vous dis ça parce que Yaïla m'a fait écouter tout à l'heure des prods de Anderson .Paak et bref, voilà, c'était très sympathique. On part un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, demande particulière. Ok chaton, je vais regarder, je regarde tout. Je vous souhaite une très bonne soirée, vous êtes la Madeleine de Proust de ma... Oh, il est gentil, Sluggy Guy. Ça tue, mais ça tue. Ouais, Steph, trop fort. Ok, allez, on continue. Maintenant, c'est un rappeur. Il est français. Il parle un peu de ses sujets. Ben voilà, la solitude. La solitude et l'abus de drogue. Wow, voilà. C'est du lourd. Il s'appelle Cessiard. Qu'est-ce que c'est que ces noms, les gars? C'est le nom du morceau, super. Putain. Heureusement que vous êtes là, les pépettes. Le nom du morceau, c'est... Cessiard. Ça veut dire quelque chose. L'artiste, il s'appelle Stran, c'est ça? J'ai l'impression d'être un vieux con qui lit des... qui fait l'appel le jour de la rentrée et qui esquinte les noms de tout le monde. Je suis désolé. C'est quoi? Je vais l'écrire en plus gros. Voilà. Cessiard. Allez, on écoute, puis on s'en parle après. Je m'inventerai pas de vie comme ces bandeurs de cité. Donc le million, je crois que je le verrai pas de sitôt. Et dans la cesse, dis-moi qui t'a incité. Ouais, ta vie est dure, sauf que c'est un peu ta faute. Elle alterne entre la molly et la yéyo. Payé par le salaire, son père qui est cadre. Elle m'appelle la nuit pour me raconter ses blèmes, bro. Avec son ex qui a pris son cœur, prend notre. Je sais, c'est triste, mais c'est pas nouveau. Je peux pas te montrer ce que tu veux pas voir. Ton jeu d'actrice, garde-le pour les autres. T'irais bien mieux si t'arrêtais de boire. Sans ces sous-sales, tu sais, j'aurais moins de soucis. Moi, je veux plus recevoir ces menaces de suicide. À qui tu fais ça, moi, ça me fait même plus sourire quand tu me racontes dans quel état t'étais hier soir. Claire ne dit qu'elle aime pas vivre. C'est un sacré bordel entre ses tempes. Elle aime que la neige qui la délivre. Pourtant y'a pas que l'hiver qu'elle grince des dents. Ouais, garde ton cœur, moi je vais rien en faire. Tu l'as créé toute seule, ton enfer. Arrête de m'appeler toutes les nuits. Je peux plus t'aider, non je peux plus rien faire. Garde ton cœur, moi je vais rien en faire. Tu l'as créé toute seule, ton enfer. Arrête de m'appeler toutes les nuits. Je peux plus t'aider, non je peux plus rien faire. C'est une Marla Singer un peu trop esselée. Sa maigreur s'est nourrie d'amour jamais donné. Je crois qu'elle tire son killer, c'est pas donnant. Il sera triste pour sa chrome quand elle fera une OD. On me dit que j'ai pas de cœur quand je la traite de déchet. Mais c'est parce que ça me touche que je suis dur avec elle. Je me rappelle de son sourire édenté. Plus des bons moments que j'ai passé avec elle. À la base, je te jure, c'était une fille bien. Elle faisait des études et recalait les chiens. Je connaissais son daron et elle connaissait le mien. Mauvaise réputation et elle sombre en 6 mois. Ma sœur elle dit qu'elle aime pas vivre. C'est un sacré bordel entre ses tempes. Elle aime que la neige qui la délivre. Pourtant y'a pas que l'hiver qu'elle grince des dents. Ouais, garde ton cœur, moi je vais rien en faire. Tu l'as créé toute seule, ton enfer. Arrête de m'appeler toutes les nuits. Je peux plus t'aider, non je peux plus rien faire. Garde ton cœur, moi je vais rien en faire. Tu l'as créé toute seule, ton enfer. Arrête de m'appeler toutes les nuits. Je peux plus t'aider, non je peux plus rien faire. Un peu trop esselé. T'as mon charme étonné.
Yeah, good flow, histoire sombre, ouais. Enfin, voilà. C'est bien fait, c'est bien foutu. Alors, après, ça devient compliqué au niveau du. J'allais dire au niveau du rap, d'avoir un. De se faire son son, parce qu'il y a tellement de. Il y a tellement de projets comme ça. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les gosses. Bonjour tout le monde, restez loin de la neige, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut rester loin de la neige. Mais c'était beau, c'était touchant, c'était un petit peu romantique, un petit peu sombre. Au fond, c'est tout ce qu'on aime et c'est ce à quoi servent les belles chansons. Et là, on peut dire que même si c'est du rap, c'est une belle chanson. Voilà. Allez, on continue. Peace of mind. Alors là, on passe à un autre univers, comme on disait à la télévision. On est dans une forme de jazz un peu légèrement sophistiquée. Et c'est parti pour Peace of mind. Le morceau Peace of mind. J'y arrive pas, décidément. Alors, le groupe s'appelle Dréo et la chanson s'appelle Peace of Mind. Et tu veux des When you mots? try to get peace of mind, you're still not yet found. Is there nothing that can be Welcome this sound running round. Come on, let it go now. Love comes when we. Expect this way should be. Let yourself drive to the beat. Everything will be fine. Try to get peace of mind. You're still not yet found. Is there nothing that can be done? Welcome this sound running round. There's no secret, really, 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 really. For trying to be happy, 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 make my days drive me easy, 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 and living the kind of crazy, crazy, crazy. Some of us are pretty silly, 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 to think that it's about money, money, money. They should be ever clever, ever clever. What matters is to love each other. However, there is a bit of hypocrisy, hypocrisy. When it doesn't make you happy, happy, happy. When we have it a bit, maybe, maybe, maybe. They say that it's more funny, funny, funny. Let your hands to be ready, ready, ready. To have good time, baby, baby, baby. When would it ever be better, better, better. That to be happy all together. When you try to get peace of mind. Expecting
take your time and all will be fine. I hope it's gonna be right now. Now everything's gonna be right now. Don't worry. Holy fuck, ça rigole pas là, hein. Alors le groupe s'appelle Dreo, je crois qu'ils sont du Chépi. J'ai pas noté. Mais non, 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 sorry, putain, je ferai un piètre DJ dans les soirées, je me ferai lyncher, guys. Le groupe, il s'appelle Dreo, ils sont du côté de Lille, New Soul, Jazz Soul, ouais, c'est ça. Comment s'appelle la chanteuse? Audrey Lenoir au chant, Frédéric Péréard au piano, Adib Garty à la basse et Arwana Mariapine à la batterie. Arjuna, pardon, je prononce mal. Ça a l'air d'être sud-américain. Bon, eh ben écoutez, réalisation collective formidable, c'est assez formidable. Aloïs Fructus, Magide Rivière, Dayalan Souprayen Mestri, Louis Boucari. Bon. Avec mon pote Marco Prince d'FFF, quand il y avait des groupes comme ça, on disait bon, c'est des prix de conservatoire. Là, je pense qu'il y a du prix de conservatoire dans l'air, mais malgré tout, même si ça voulait dire quoi quand on disait ça, que c'était un peu riche en compos, en tout. Là, c'est le cas aussi. Il y a beaucoup de. La structure musicale est un petit peu complexe, mais ça chante terrible. Ça joue terrible, le solo il est terrible, bah voilà, tout est bien, et là on est entre gens de, j'allais dire, de bonne famille, tous ensemble, vous êtes tous des musiciens pratiquement, donc c'est sûr qu'on apprécie, je vois vos commentaires, et exactement, elle est bien entourée, Miguel Atana, ah pardon, excuse, non, Miguel Atana qui me dit bonjour, différentes vibes, du voilà, le morceau est, je dirais, est riche, mais... ils sont à leur niveau. Il n'y a rien de pire que de faire un truc un peu complexe, un peu compliqué, et techniquement d'avoir un peu du mal d'être aux limites. Là, on sent qu'ils en ont encore sous le pied, comme disait Marianne James. Ça veut dire c'est toujours bien de pouvoir se reposer un petit peu et de pas être au taquet. On a tous aimé. Il y avait des réminiscences de Return to Forever, ce génial groupe du génial pianiste Chick Corea, quand il chantait avec cette chanteuse géniale qui s'appelait Flora Purim. C'est un album qui s'appelait Light as a Feather, la vie aussi léger, Light as a Feather, aussi léger qu'une plume. Ouf, je vais me réveiller et tout va bien. Je viens de Normandie, je me suis levé tôt ce matin et je me suis tapé une journée où je me suis fait encore martyriser par Yaïla, qui est ma productrice et qui est terrible avec moi. C'est une metteuse en scène qui a beaucoup d'exigences et donc je dois aller chercher en moi tous les ressorts de l'acteur studio. En plus de ça, c'est une rédac chef intraitable. Bref, c'était Dreo, on est en train de se régaler. Allez, on continue le voyage musical que vous nous avez offert, vous, cette semaine. Mélia Brune, tu m'écris que t'as pas été retenue. Si t'as pas reçu un truc ou t'es pas retenue, ne pense pas que t'as pas été retenue. Je pense que je n'ai pas été retenue et du coup, je trouve pas. Donc, ça veut dire qu'on t'a pas chargé encore. C'est une faute. Je vais m'en occuper. Il y avait du nénette chéri, comme tu disais. T'inquiète pas. Mais je t'ai cherché, là, je t'ai pas trouvé. Donc, ça veut dire que... Hervé, tu m'entends? Hervé, check un petit peu. Je sais que tu nous écoutes. Mélia Brune, M-E-L-Y-A, et plus loin, Brune. Et dès que tu la trouves, tu me dis. OK, on continue. Alors, je vous rappelle que notre comité de sélection est composé de l'équipe de Matchtune, Rodolphe Plisson, ex-Universal, Hervé Gourdiquian, ex-Liane Folly, Thomas Guillot, ex-Universal Los Angeles, Ben, Londres, chanteur, guitariste, et moi-même qui découvre cette sélection que cette équipe formidable a faite.
Alors, on continue avec un groupe qui s'appelle Bloom et la chanson s'appelle Another Night. Je suis un jeune chanteur français. J'ai commencé il y a un an. J'ai gagné un prix national organisé par Volkswagen. Ça m'a permis de faire plusieurs gigs au Portugal, d'enregistrer un EP qui s'appelle Waves. Et cet EP, eh ben, il est sur les plateformes de streaming. Il chante tout seul avec sa guitare et, ses loops. Et ses chansons sont plutôt des ballades et puis des pop songs. Ses références sont Ed Sheeran, Passengers, Angus et Julia Stone. Voilà, allez, bah, après ces jolis parrainages, on l'écoute tout de suite. Il s'appelle et il va nous chanter Another Night. Bloom, bim. Day, not a night, staring at the endless sky above. Just wondering when you'll come home. Just wondering why have you gone? Not a day, not a night, wasting all my tears on my pillow. Set on fire. The months go by and winter comes. All you did was leave my heart in crumbs. Again, 'cause I realize I miss all the warmth your arms could give me when I was cold. And I can't help but missing you, even though I know it's true that our hearts were never meant to stay together. What can I do? I was so in love with you. You just crushed my heart and left my world forever. Da 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 da.
And I wish these words are cold in you. I wish back then I knew how you felt to fix things, to mend our broken souls. I wish you made me whole before we got to sing. Not a day, not a night. Stars are shining way up in the sky. And when the sun sets, all I see is all the light that's waiting for me. Yeah, je crois qu'il est avec nous. Donc là, la chanson s'appelle Another Night et c'est chanté par Bloom, si je me prononce bien, Bluem. Putain, guys, vous avez des noms, c'est, on s'en rentre à l'époque de l'IA. Bluem, c'est joli comme nom. C'est très bien fait, c'est magnifique. Enfin, alors, j'aime bien lire vos commentaires. Tout le monde est en train de me réclamer. Alors, je n'ai pas trouvé Mélia Brune, mais j'ai trouvé Foxer Street. Bon, on débriefe d'abord. C'est, je dirais que la folk est un genre intemporel. Elle ne peut être servie que d'une seule manière. Alors après, c'est vrai que Caroline, tu dis, ça serait bien qu'il y ait peut-être une voix féminine qui vienne l'épauler ou qui vienne faire une deuxième voix, comme ça se fait souvent. Sans parler d'Angus et Julia Stone. Ou alors, ça peut être aussi... comment il s'appelait, Damien Rice. Waouh, que c'était magnifique et beau, tout ça. Ben voilà, moi, c'est ce que j'appelle des musiques de genre, des musiques nobles. Et c'est de ça dont ils vont s'inspirer pour tracer son chemin après. Quand on reste un petit peu dans les clous de ça, ben on reproduit gentiment. Mais il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de présence dans la voix. La voix est top. Ce qu'il dit est beau aussi. L'exercice compliqué, après, c'est de retranscrire ça en français quand on est français. Et là, bon, à part le vieux Francis Cabrel, je ne vois pas qui a été fidèle à cette musique. Pardon, je fais un mauvais accent de Toulouse. Ok. C'est comment l'accent de Toulouse? Vas-y, fais-le. Yaïla. Donc, c'était très joli ce qu'on vient d'entendre. C'est chaud, ça fait du bien, surtout dans ces temps légèrement angoissants. Continue, essaye de... Moi, je te dirais un conseil. Essaye de faire des petites incursions sur le français en gardant ta voix. Et là, tu pourrais faire un malheur. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé le faire. C'est peut-être que l'exercice est difficile. C'est peut-être qu'aussi la folk est basée essentiellement sur le texte, sur de la poésie. Et c'est peut-être que le français est une langue compliquée à faire sonner. Mais ça vaut le coup. Nous, on a une chanteuse ici, elle s'appelle Caroline Kawa. On lui a tous demandé, elle l'a fait et ça a tombé par terre. Elle avait peur de perdre son timbre, et bien elle n'a pas perdu son timbre. Alors maintenant, il y en a un qui s'appelle, comment là, que j'ai retrouvé. Il me dit, j'ai envoyé ma chanson et j'ai pas de réponse, j'en peux plus, ça fait 3 semaines que j'attends. Il s'appelle Tropic. Son nom d'artiste, c'est quoi? C'est compliqué, hein, moi j'ai des fiches. Tropic 99. Bon. J'ai l'impression qu'il n'a pas forcément été retenu, mais on va l'écouter. Et puis, on va débriefer ça ensemble. Est-ce que tu es toujours là, Tropic 99? Après tout, on est... Alors, dur pour moi de faire du français sans avoir l'impression de faire du patoche sur le texte. C'est qui, patoche? Yes, symphonique Tropic. C'est Patrick Sébastien. Ah oui, d'accord, ok. Tu veux qu'on écoute Symphonique Tropique? Hervé a dit non, Rodolphe a dit oui. Bon, c'est parti, on écoute Symphonique Tropique, mais peut-être qu'on n'ira pas au bout. On écoute. C'est parti. Oula, vache! Ça, j'adore. Excusez-moi, je mets sur pause parce que Alexis Musique, dont le vrai nom est... On s'en fout, Alexis. Elle dit, elle veut bien t'écrire du français. Mon gars saute sur l'occasion. Branchez-vous tous les deux. Je vous jure que c'est pour ça que je fais ça.
Et Foxer Street répond oui avec plaisir. S'il vous plaît, vous êtes dans le même univers, dans les mêmes trucs. Voilà, c'est ça que j'aime. Je vous rappelle encore une fois que la richesse de nos chansons, de la grande époque, des grandes chansons françaises, c'était Eddie Barclay qui enfermait 10 compositeurs et 10 auteurs dans un château pendant une semaine. Il faisait ce qu'il voulait, il buvait pas mal. Mais voilà, c'est ça l'idée. Frottez-vous les uns aux autres. Bon, vous vous branchez sur Instagram, j'adore. Et je ne sais pas si je peux drop le nom ici. Je ne sais pas de quoi vous vous parlez, mais en tout cas, s'il vous plaît, vous y allez. Et je vous jure que je passe la chanson immédiatement. Je vais recommencer un peu des chroniques sur France Inter de temps en temps. Et je pense que je vais me faire le haut-parleur de votre boulot. En tout cas, voilà. Sans parler de la playlist. Donc c'est à ça que ça sert. Allez, on a interrompu Symphonique de Tropic 99. On y retourne. C'est lui qui a insisté pour que je le passe, hein. Bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un oui de Rodolphe. Et qu'est-ce que Rodolphe avait fumé ce jour-là? Je ne sais pas. Comment te dire, cher Tropic? Alors, comment il s'appelle? Son vrai prénom, c'est Régis. Régis, c'est un peu... On en écoute une autre. Merci Régis. Bon, ben voilà, c'était très sympa. C'était... Et Rodolphe, il a fumé, Rodolphe. Régis, c'est... comment te dire? Entre Kléderman, qui aurait pris de l'Exta, et André Rieu, qui serait en manque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc terrible, là. Il y a un conflit. Je crois que tu t'éclates. Eh ben, continue à t'éclater. La musique, ça sert à ça. Mais là, non, c'est pas possible. Le piano, comme ça, tidada, tidada, tidada. Aujourd'hui, il y a trop de gosses qui sont sur les tutos, qui jouent comme des fous et tout ça. Mais voilà, l'important, c'est que tu t'éclates. Tu fais ça pour toi. Eh ben, voilà, t'as voulu être débriefé. T'as été débriefé, cher Régis. C'est dur, mais la musique, c'est un plaisir, il faut se faire plaisir. Mais là, quand même, on est quand même sur des suites d'accords qu'on a déjà entendu 15 milliards de fois avec des arpèges majeurs et des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais ça fait rien, tu t'éclates, j'espère que les gens s'éclatent autour de toi. Et puis, alors après, peut-être il faudra aller fouiller. Je vais essayer de donner un conseil positif. Dans le premier degré, du premier degré, du premier degré, du premier degré. Mais voilà, je sais bien qu'aujourd'hui, on est du côté... Il y a Sofiane Pamart, il y a des gens qui font du piano romantique comme ça. Oh, ça y est, je sais ce que je vais te donner comme conseil. Laisse tomber la batterie, laisse tomber les orchestrations pseudo-symphoniques au synthé, éclate-toi au piano, essaye de faire des trucs plus intimes peut-être, voilà. Voilà, c'est ça, dégraisse un peu le mammouth et fais des trucs un peu plus touchants, moins téléphonés. Le rythme, c'est pas la peine. Et du coup, peut-être même tu peux nous renvoyer des trucs. C'est le seul conseil que je peux te donner. Dépouille-toi de ton armure, Régis, et fais parler ton cœur. Voilà. Allez, on continue notre petit voyage. Donc, vous voyez que de temps en temps, j'en chope parce que vous me demandez. J'ai une question, j'ai reçu un mail. Ben oui, Ricou, tu as reçu un mail de Amp et signé un contrat, ça veut dire que tu es pris. Voilà. Ah, Jordan, il est là. Alors, lui, il est pris, bah, je vais le passer tout de suite. Il est où, Jordan? Et moi, je découvre en même temps que vous, les amis. Hein.
Je vous rappelle que nous avons une équipe de sélectionneurs. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a plein qui me disent « Est-ce que je suis pris? Est-ce que je suis pas pris ?» Vous êtes pris pourquoi? Encore une fois, je vous rappelle le truc. Voilà, Electro, French Touch. Et la chanson s'appelle « Day of Rose ». C'est parti. « Day of Rose ». Mon Dieu. Vous le voyez? Oui, il est là. Salut Jordan, c'est ton moment. Bim. Wow! Bien sûr que vous pouvez tenter votre chance avec d'autres chansons si vous n'êtes pas pris une fois. Ok, bon, alors effectivement, grosse influence Daft Punk. Grosse influence Daft Punk. Alors, c'est bien d'avoir des influences. C'est bien de les jouer. Et à un moment donné, il faut les dépasser. C'est là qu'on crée son style. Là, je pense que t'en es pas encore là, camarade RD Jordan. Mais ce que tu fais là, tu le fais vachement bien. Maintenant, il faut... je dirais que cette musique est tellement... Chaque son a tellement son importance qu'il faudrait que peut-être que tu commences à te faire une banque de sons qui serait qu'à toi. Et c'est du boulot, c'est passer son temps à faire des samples. Petit conseil, en ce moment, il y a des super... Il y a des super docs sur Netflix sur les gars qui ont fait le hip-hop. Dr. Dre, qui est un des plus grands producteurs de la planète rap, mais pas que rap d'une certaine manière, il passe des mois à se faire ses sons de drums lui-même. C'est Michael Jackson qui racontait ça, même du temps où il bossait avec Quincy.
Tout d'un coup, ils vont utiliser une porte qui claque. Et puis, ils vont mélanger ça avec une fourchette qui tombe. Et puis, bref, on se bricole ses sons. Et c'est en se bricolant son monde sonore. Parce que là, vous bossez sur quoi? Vous bossez au fond sur des sons. Vous bossez sur du mix. Les arpèges, il n'y a rien de révolutionnaire. N'importe quel arpégiateur peut le faire et tout ça. Un son un peu clavecin, un peu baroque ou tout ce que tu veux. Tous les synthés en ont. Par contre, tu sais le faire, tu sais monter tout ça, ça c'est bien. Mais il y a un moment donné où on a envie d'écouter des trucs, et ça devient compliqué aujourd'hui, qu'on n'a jamais entendu ailleurs. Et c'est là que l'oreille, elle va dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'y vais. » Donc, avant ce stade, il faut avoir fait ses gammes. Là, moi, je trouve que tu as fait tes gammes. Le boulot est bien fait, il est honnête. Tu as tous les codes de comment on fait pour faire monter un truc, pour faire monter un dance floor. Maintenant, ce qu'ont inventé les Daft à l'époque, là où c'était révolutionnaire, c'est que si les Daft avaient pris des cours d'ingé son, ils n'auraient jamais fait leur son. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était interdit. C'était les compressions, c'était tout dans le rouge, c'était le son sature et tout. Et un ingé son qui sortait de l'école leur aurait dit « Mais non les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Et pourtant, c'est ça qui a fait leur son. Donc à un moment donné, vous avez des maîtres, vous avez des références, tuez ces références et vous dites « Mais moi, putain, c'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si je faisais pas comme les autres, justement, pour me démarquer un peu ?» Voilà. Conseil que je peux donner, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les VST? Non. Il faut pas arrêter les VST, mais il faut trafiquer les VST. En fait, on a une matière sonore qui est illimitée maintenant, c'est génial. Il n'y a qu'à s'en servir. Est-ce que c'est possible qu'une seule de nos chansons soit prise? Oui. Parce que tout le reste... Et Naz, comment peut-on savoir si les autres chansons qu'on a envoyées par la suite sont... On écoute tout. Voilà, je vous réponds en même temps. Est-ce que c'est possible? Food, je vais chercher. Je vous jure que je cherche. Tous ceux qui sont là, entre les presets et les packs de samples, on a vite fait d'avoir le son de tout le monde. Exactement. Donc ça veut dire que, après, l'idée, c'est d'aller fouiller dans les plugs, c'est de les dénaturer, c'est de les foutre à l'envers, c'est de les trafiquer. Et je ne sais pas si vous avez... Il y a des sessions de Billie Eilish sur Logic Audio qui sont disponibles. Le nombre de plugs qu'il fout sur un seul son. Et pour le coup, en travaillant la matière sonore d'une manière assez extrême, on n'a plus besoin d'empiler et de faire plein de pistes. Et c'est là que ça devient un petit peu sympa. Mais en tout cas, il y a un joli savoir-faire. Voilà, camarade. L'artiste que j'admire réellement pour le sound design est Lorne. Je trouve son travail incroyable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On continue notre voyage avec vous, en tout cas, parce que c'est vous que j'ai là, ici, à présent. Maintenant, nanani nanani nana. Alors, est-ce qu'on a passé Crab? Non. Échec et match. C'est parti pour Crab. Vous avez fini de bavarder, les filles? Échec et match, il s'appelle Crab, sa bio est super simple, il est français, c'est un homme, Crab, à la mer, performeur, producteur et composeur. C'est parti pour la chanson qui s'appelle Échec et match. Sans fuite pour piquer
cœur. Tous les coups sont soufflés, tous les souffles sont coupés. Mon front perle tous ses pions. Tous les coups sont soufflés, tous les souffles sont coupés. Mon front perle tous ses pions. Ma reine gardienne de mon propre amour se rebelle, déesse en secours. Elle couve son faible amant, use tous ses fous charmants. Mais là tu m'as, mon roi le cœur. Une case de chair, case en arrière, la lance du désir en l'air. Je frémis, je pleure, je ris. Coup fatal, assassine ni. Une case de chair, case en arrière, la lance du désir en l'air. Je frémis, je pleure, je ris. Coup fatal, assassine ni. La bataille excite tous les joueurs. Encore faut-il trouver son bon jouteur. Car trouver le roi sans épargner la reine, et sur quelle couronne s'assoit le règne. Tous les coups sont soufflés, tous les souffles sont coupés. Mon front perle tous ses pions. Voilà, voilà, voilà. Alors, je suis c'est marrant parce que la vérité, elle sort de nous tous ensemble. J'adore. Alexis, elle dit, il y a un côté, Philippe Catherine, évidemment, mais peut-être Philippe Catherine sans l'humour. Du coup, là, ça devient un petit peu embêtant. En fait, ce qui est très chelou, mais en même temps, bon, c'est pour ça que j'avais le sourire, c'est que ce jeune garçon, il y va franco de port. Il y va franco, il a de la voix, il nous l'envoie comme ça, dans quelque chose de généreux. Et du coup ça peut toucher. Il y a une manière un petit peu désuète, un petit peu William Scheller, un petit peu dans vos commentaires, vous dites, il y en a même qui disent Calogero, Gotener, un petit coup de Mathieu Chédid par là. Voilà. Ou c'est décalé, ou c'est pas décalé, mais il faut choisir son camp. Et vous êtes formidable, on devrait faire une émission de télé ensemble qui débriefe. La vérité, elle est dans tous vos commentaires, et c'est ça qui est cool. Il lui manque pas grand-chose. C'est vrai que quelque part, il faut qu'il choisisse son camp. Par contre, il a de la voix, il a une technique de dingue, il y a du savoir-faire. Il y a quelque chose qui peut être presque légèrement gênant, c'est que dans son vibrato, il y a quelque chose d'intense, mais du coup, le message ne suit pas parce que tous les coups sont permis, cette métaphore du jeu d'échecs et tout ça. Donc, il faut aller peut-être encore plus, soit droit au but, soit être en... Il manque la petite folie de Philippe Catherine, il manque la naïveté, il manque un tout petit peu peut-être de pas... En général, et je le sais parce que je suis passé par là, on se cache tous derrière des armures, on veut que ça soit bien, on veut que ça soit super produit et tout. Mais quand on revient un tout petit peu à l'os, bah, ça fait du bien. J'ai envie de lui donner le même conseil que tout à l'heure à DJ Jordan. Mais lui, ce n'est pas d'alléger la prod, c'est de travailler autour de textes un tout petit peu plus minimalistes avec un truc de rengaine. Je ne sais pas pourquoi. Ne pas avoir peur de répéter toujours la même chose. Et prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui est dit. Un tout petit peu d'humour, ça peut être super sympatoche, et en tout cas, ça lui irait bien. Mais je suis content de voir que la bande de
La bande de Belges que j'ai là, qui a là, eux, enfin, j'allais dire, c'est les spécialistes et ils adorent ça, cette espèce de, justement, ne pas avoir peur du premier degré, cette espèce de distance avec les choses naturelles. Ça, je dirais que c'est l'élégance belge. Peut-être que ce jeune homme est belge ou pas assez belge, ou peut-être qu'il faut qu'il se fasse coacher par des Belges. Mais Alexis, tu ne peux pas t'occuper de tous les chanteurs de la Terre, mais en tout cas, je suis content de voir que tu vas déjà bosser avec l'autre. On continue le voyage musical que vous nous offrez cette semaine. Bienvenue sur R, la compagnie AMP vous accueille. Non, je ne vais pas faire les hôtesses, Yaïla et Jeanne, parce que je vais me faire massacrer par vous. Vous allez m'émasculer tout de suite, là, c'est ça, hein? Ah, la température extérieure, il fait combien dehors? La température extérieure est de 21 degrés. Un beau coucher de soleil sur Paris en perspective, le ciel est bleu, pas un nuage à l'horizon, et nous sommes ensemble sur Radio N'importe quoi, mais un joli n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce que ça vient de partout, de tous les horizons, et que nous, on est OK pour écouter tout ce que vous nous envoyez. Voilà. On continue maintenant. Alors ça, c'était quoi? Il s'appelle Crabe et c'était Échec et Match. Maintenant, il s'appelle Romain Bergonié. Je crois que j'ai déjà passé, mais c'est pas grave. Et le titre, c'est Is What It Is. Mais bon, on le repasse. Parce que quand c'est bon, on le repasse. C'est parti, c'est là. I've been waiting, thinking about you all day. Come over for a drink, don't talk for play. Maybe it is what it is. Put your hands all over me. Your touch got me weak. Maybe it is what it is. Tonight we're losing some sleep. Maybe it. It's a private party, you, me, and nobody. Dancing in a purple light. You ain't gotta do too much. I just wanna give you life. Love when you're naked, making those faces. Hate to say I told you so, but I just gotta let you know. Maybe it is what it is. Put your hands all over me. Touch got me weak. Maybe it is what it is. Tonight we're losing some sleep. Maybe it is what it is. Oh, oh, oh. You can catch a breath. You can count the seconds left to be. Ouais, trop la classe, voilà. Lui, il nous embarque. Alors, donc, bizarrement, quand c'est comme ça, bah, l'analyse, elle est, on n'a même pas envie d'en faire, quoi. Pour le coup, ça veut dire qu'il a gagné parce que on est pris. On n'a pas envie de décortiquer. On est pris dans un flow. Dans son flow, il nous emmène. Et c'est ça que doivent faire tous les chanteurs. Quel que soit le style, même avec une guitare et juste une voix, c'est pareil. Tout à l'heure, il y a Folke qui nous a embarqués aussi. Et là, Romain, il nous a embarqués. Alors, il se trouve qu'il a du métier. Ça fait 15 ans qu'il est producteur, qu'il a bossé avec plein de gens, qu'il est beatmaker, qu'il
il joue la guitare, il joue la basse. Mais justement, parfois, ça peut être même encore plus compliqué quand on joue un peu tous les instruments, de se retrouver soi et d'être un petit peu simple. Là, voilà, le son, les riffs. Évidemment, ça, alors vous dites, ça peut ressembler à The Weeknd, je suis d'accord. Mais il manque un solo d'un instrument quelconque pour du. Mais je suis personne pour donner mon avis. Mais si, voilà, on prend les avis de tout le monde. C'est vrai qu'on a envie d'un petit solo à la Prince à un moment donné, puisqu'on est un petit peu dans ce délire aussi. Mais c'est très chouette. Bah, faites vos suggestions. Et vous savez, je vais vous dire un truc. On passe tellement de temps tout seul derrière nos ordis. Vous savez, quand vous enregistrez dans un studio en Angleterre ou aux États-Unis, les assistants n'ont pas le droit de parler. Les assistants, d'abord, on les appelle les T-men, OK? Et pourquoi ils n'ont pas le droit de parler? Pas pour faire une espèce de hiérarchie ou pas pour les humilier. Parce que quand vous êtes en studio, l'avis de n'importe qui, tout d'un coup, peut avoir une influence sur ce que vous faites. Vous pouvez être Quincy Jones et puis la femme de ménage qui rentre dit « Oh, c'est quoi ce son pourri? » Et puis elle se barre. Et bah, Quincy Jones que vous êtes défait. Parce que vient de dire cette dame qui, a priori, n'est pas dans la musique, mais comme elle écoute, son avis compte. C'est pour ça que je suis en train de dire l'avis de tout le monde compte. Et on est tous en train de demander, une fois qu'on a fini, on fait écouter à nos potes, qui ne sont pas des musiciens, mais qui sont le public. Donc, ils ont leur importance aussi. Et finalement, un bon producteur, ce n'est pas forcément un bon techos ou un bon musicien ou un bon compositeur. C'est un gars qui a un peu l'oreille du public et pour le coup qui a besoin de s'entourer de vrais musiciens. Voilà, j'ai fini ma petite digression sur tout le monde peut donner son avis. Effectivement, tout le monde peut donner son avis. On passe au suivant. Il s'appelle Mokhtar. Sa chanson s'appelle Happiness. Et Mokhtar Ndiaye, performer, producer and composer, homme France. C'est parti pour Mokhtar. Happiness. Where is happiness? C'est ici. Bim. Ça se passe d'abord dans la tête, puis c'est le cœur qui se met à faire. Amnésie sur les blêmes du passé. Je plane dans une nouvelle planète. Happiness, laisse-moi vivre dans mon happiness. Ici j'ai ce qu'il me faut. C'est juste une question d'état d'esprit. Respire, respire, respire. Quand le positif reprend le dessus. Dessus, dessus, dessus. Tu peux sortir du tunnel. C'est le temps des bonnes nouvelles. Les yeux rivés vers le ciel. Tu peux déployer tes ailes. Happiness, laisse-moi vivre dans mon happiness. Ici j'ai ce qu'il me faut. Yeah.
Évidemment, il y a du reggaeton, évidemment, il y a du dadju, évidemment, il y a toutes ces influences, mais surtout, il y a la joie de vivre, comme dit Caroline. Et c'est là qu'il nous emporte, Bokhtar. Franchement, premier degré, je fonce, je suis un peu laid back. C'est, voilà, on a juste envie de tout d'un coup de. Un défi, on a. Enfin, moi, je n'ai pas dansé parce que je suis coincé du cul, mais vous, je vous voyais, vous faisiez comme ça. Hein? C'est bon signe. Non, c'est cool. Et mine de rien, il y a du boulot, il y a de la prod, il y a du gros son et tout. C'est bien. Il s'appelle Mokhtar et sa chanson s'appelait Happiness. À mon avis, c'est une vraie prod qui a dû sortir et tout. Alors maintenant, Alexandre Méo, on l'a déjà passé, non? Fantastic Garden, piano orchestral. Allez, on enchaîne. C'est là qu'on voit que tout ça, Fantastic Garden, à mon avis, on va être sur un piano romantique avec des cordes peut-être. Alors, c'est bien fait, mais c'est très bien fait. Mais, Jardin fantastique. Ouais, ça. Alors, compositeur classique de contact, donc, hein, c'est-à-dire de Native Instruments avec tous les sons d'orchestre et tout. Maintenant, quand on se met à écouter des vrais. J'allais dire des vrais. Grand compositeur, ne serait-ce que voilà, Saint-Saëns, Poulenc, l'école française et tout ça, on s'aperçoit qu'il y avait au fond beaucoup plus d'audace que ce que nous propose Alexandre, même si c'est bien foutu. Alors encore une fois, moi je suis contre la clédermanisation de la musique. Alors ça veut dire quoi la clédermanisation? Ça veut dire ce truc de dire je fais trois petits accords un petit peu à la Chopin, j'ai le sentiment que c'est du Chopin, mais ça n'est pas du Chopin. Les gars, elle est tellement belle cette musique, ça vaut le coup d'aller la chercher. Là, qu'est-ce qu'on s'en fout? On est entre nous. Qu'est-ce que c'est pas parce que les accords. Il y a un moment donné, on va avoir une harmonie un peu complexe et tout que. Quand on s'aventure sur les terrains du classique, bah, y a un monde. Là, on va dire qu'il en est juste au début, Alexandre. Alors après, c'est sympa de, j'allais dire, d'explorer ça avec ses, avec son synthé. Mais la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ChatGPT aurait pu faire ça? Ben là, j'ai envie de presque de dire oui, et c'est un peu dommage. Donc, Alexandre, conseil, je sais pas si t'es, bien sûr que Gainsbourg pillait Chopin, mais il en faisait quelque chose de dingue. Donc là. Il faut à se servir des influences des compositeurs, mais l'idée c'est d'aller un tout petit peu plus loin. Alors ça veut dire quoi? Après, c'est choper quelque chose et aller ailleurs. Et très souvent, c'est avec ses défauts qu'on y arrive. Moi, je voulais faire Bill Evans, j'y arrivais pas. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je laisse tomber, j'y arriverai jamais. Puis finalement, heureusement, parce que est-ce que j'ai un style? J'en sais rien, mais.
C'est une fois que j'ai accepté que j'y arrivais pas que j'ai commencé à faire des trucs un peu perso. Donc Alexandre, t'as 26 ans, il faut que t'as 3 ans pour y arriver. Pourquoi 3 ans ? Parce que je veux dire, on est encore dans la vingtaine en train de chercher, on a le droit et tout. Après, on a le droit de chercher toute sa vie. Moi, j'ai plus de 60 balais, je cherche toujours. C'est le jour où on a trouvé qu'on est mort. Mais c'était joli ce que tu nous as proposé. Mais du coup, moi, ça m'a donné envie. Donc, comme c'était bien fait, ça m'a donné envie. Et du coup, j'étais frustré. J'ai dit, merde, mais Alex, il pourrait aller plus loin. Voilà, conseil que je te donne, Alex. Va plus loin, bordel. On continue. Karim Vitas Late Kelate. Il est français. Et on écoute tout de suite ce qu'il nous propose. C'est parti. Vivo la vida y este es el momento. Cierro las puertas, cuento qué pasaron. Me traicionaron, menospreciaron. Yo sigo caminando las vueltas que dio la vida. Mucho decías y yo no te vi. Yo para todo siempre estuve allí. Vi tus mentiras así que me fui. Alexis, je vais passer un de tes sons. Distintos latidos, el mismo deseo. Seremos estrellas en el firmamento. Distintos latidos, el mismo deseo. Seremos estrellas en el firmamento. Yo a esa tumba jamás volveré. Ya no hay heridas bajo mi piel. Sigo escribiendo, sigo en lo mío. Pronto volamos, no importa el destino. Corazonadas que me persiguen, es la luz de dentro. Ese es mi mapa, esta es mi vida y no me detengo. Alexis, je passe l'été, je passe, je pars, j'arrive, je passe le corps et la tête. On me dit oui à toutes les chansons. Je t'aime, pardon. Balade, l'été, je l'ai déjà passé. Ni sé de minutos, porque la vida se va en un segundo. Por eso que lucho por lo que quiero. Sé que no ver el futuro, sentir el infierno. Sentir el infierno. Agradecido cantando a la luna. Aquí me tienes contando la mi fête. Vida. Distintos latidos. Je pars, j'arrive. Mismo deseo. Seremos j'adore. Estrellas en el firmamento. Distintos latidos. Mismo deseo. Seremos estrellas en el firmamento. Voilà. Corazonadas que me persiguen, es la luz de dentro. Ese es mi mapa, esta es mi vida y no me detengo. Late, late. Late, 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 late. All right. Alors, wop, 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 wop. Donc, oh putain, vous faites des bios trop longues. Donc, the COVID cancel d'important concert on my important il a épuisé putain. Despite the world being my designer. Donc, est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est... Non, j'ai l'impression qu'il est... Il était donc espagnol. Mmh. Ok. Donc là, on a une pop espagnole plutôt sympathique qui est pas franchement révolutionnaire. On a connu des choses espagnoles un peu plus osées, non, Yaïla? Qu'en pensez-vous? Très cher. Yaïla, c'est un petit peu comme Miss Marple avec Sherlock Holmes. Nous avons connu des choses un peu plus osées en termes d'espagnol. Hein, surtout qu'il y a un courant en ce moment qui est formidable. Hein. On ne va pas parler de Rosalia et de son mec fantastique qui s'appelle... Son ex, c'est Tangana. Voilà, c'est Tangana. Allez écouter ça, les amis, c'est à tomber par terre. Si vous ne connaissez pas le Lascar, c'est magnifique. C'est le gars qui a fait les premiers sons de Rosalia. Mais si. Non, il a pas fait les premiers sons. Ah bon, les deuxièmes sons. Ouais. Il a fait le deuxième.
Il a fait l'hameçon, parce qu'en plus, c'était son âme sœur. Mais... Putain, pardon. Voilà, légende, c'est Tangana. André, tu me passeras après Alexis? Ouais. Aujourd'hui, il fait beau, guys. Donc voilà, c'était très sympathique, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Et maintenant, nous allons passer donc Alexis dans une chanson qu'elle a choisie, qui est, j'ai carrément oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge, je pars, j'arrive. C'est parti, Alexis. Je suis trop content de te passer. Et après, tu vas nous rappeler quand il est ton concert à Paris, s'il te plaît. Waouh ! Il y a du son, bordel. Les yeux ouverts, valise fermée, j'attends. L'aurore, je prends les clés. Et oh, j'ai des poils du dos qui se hérissent, c'est dingue, hein. J'ai décidé, adieu, les cages, rien que pour ça, j'ai nouvelles images. Et bon voyage, j'arrive, tu sais, dans un naufrage anticipé. Je pars. J'arrive, t'es encore là, à la dérive, au pas. Le vent en poupe, chapitre suivant. J'accélère, je sais pas où je vais pourtant. Et au passage, j'étais. Adieu, les cages, nouvelles images. Et bon voyage, j'arrive, tu sais, ça me soulage. Même un peu ridé, je pars, j'arrive, t'es encore là. À la dérive, ou pas.
La suite d'accords, elle est à tomber par terre. C'est génial. Le gars qui l'aide à faire ses compos s'appelle Cédric Raymond. Il faut qu'on le cite parce qu'il y a quelque chose de tellement joli. Avec des accords diminués quand on s'y attend pas. C'est de la pop, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a juste une couleur qui arrive. Et là, on fait « Waouh !» On chavire dans un autre truc. C'est précieux, c'est presque... On retrouve presque des trucs de Donald Fagen, Steely Dan, avec... Et puis, bon, ne parlons pas de la voix d'Alexis, la voix de... Voilà. Dès qu'elle commence à chanter, voilà, j'ai l'épiderme en... Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. En chair de poule. Goosebump. C'est ça que doit faire la musique. On n'écoute pas la musique avec les oreilles, on l'écoute avec le corps aussi. Et là, c'est... La voix d'Alexis, elle, bah, c'est à tout le corps qu'elle s'adresse. Et là, on est chopé dans un truc. Et après, on est embarqué dans ces harmonies. Et encore une fois, voilà, ceux qui disent « Ouais, je ne veux pas chanter en français parce que je ne sais pas. » Elle nous donne une leçon, là aussi. Parce qu'on n'en a rien à péter de la langue, au fond. Et que le message, par contre, il parle. Et donc, elle a cette voix, ce velours, ce charme. Bon, voilà, j'arrête. Alors, elle est en concert bientôt. Elle est en concert bientôt, bientôt, bientôt. C'est quand Alexis Morgane qui dit il faut peut-être baisser le chauffage. T'as raison. 26 mai. Voilà, le 26 mai. Où ça Alexis, où ça? À la Manufacture Chanson. Je suis où, moi, le 26 mai, Yaïla? Je suis pas là, je suis entre deux concerts, bordel de merde. Bon, je vais voir. En tout cas, c'est la classe. Alors Alexis, toutes tes chansons ont été prises. Alors tout à l'heure, il y a des gars qui disaient « Je comprends pas, ça veut dire quoi quand je suis dedans et tout ?» Ça veut dire qu'on est en train de compiler vos chansons et qu'on va les mettre sur un... J'allais dire non seulement sur un catalogue, mais sur un site où les gens qui voudront de la musique à l'image iront fouiller, écouter, faire leur bonheur. Et avec un peu de chance... Eh ben, vous serez pris soit sur, pourquoi pas une musique de pub, pourquoi pas une musique de film, pourquoi pas une musique de série. Voilà, on est en train de vous amasser, de compiler, de vous processer électroniquement. Rassurez-vous, on ne vous abîme pas du tout. Mais simplement, vous serez dans un moteur de recherche nickel et vous serez tout en haut de la liste. Voilà, c'est sympa, non, comme programme. 11e arrondissement, la Manufacture Chanson. Silverly Music dit « C'est à mon tour, André. » Donc, je cherche Silverly. On est bien, là, on est entre nous. Eh bien, ça tombe bien, parce que Silverly, il a été choisi aussi, que tout le monde a dit oui, et que tout le monde a dit « La track numéro 1, elle est promotable. » Promotable, ça veut dire qu'elle va être mise en avant. Et le titre s'appelle « Évasion ». Yeah! Poisson rouge tournant dans le bocal, s'est fait pousser des ailes, vous ne le verrez plus. J'ai stagné, fais-tu sur place, maintenant je nage le papillon, vous ne me verrez plus. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. J'ai tout laissé, tout donné. Je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. Je fends l'air comme un katana. Évasion d'un détenu, coursé par les malinois. Le temps presse, je dois tracer avant que le passé me rattrape. À toute vitesse, concentré, à éviter tous les obstacles. Les opposants, je les sèche, plus je les fume sans filtre. Sortie directe, je les rejette, tels des gaz nocifs. Ont raté leur vie, ne veulent pas que tu réussisses. Qu'est-ce dans leur routine, n'ont jamais pris aucun risque. Sont bons qu'à polluer l'atmosphère. Je lutte contre l'effet de serre en roue arrière. Direction un monde imaginaire. Demain c'est loin, je ne serai plus le même qu'hier. Je suis ma propre bouteille, jetée à la mer. En immersion dans un MMORPG. Un jeu que personne n'a jamais pu terminer. J'explore et je nique tout comme un loup. Assoiffé, un vrai danger pour ceux qui vivent dans la sécurité. Tu te rends compte ce que t'as loupé quand tu quittes, ce qui t'a bloqué, réapprendre à respirer, supprimer la chicane. Accélère comme une tortue naissante prête à prendre le large. Vous mettez pas sur mon chemin, je vous écrase. Je suis un bulldozer programmé pour faire table rase. Mon passé loin derrière moi, suffit d'un coup de gaz pour fuir une vie.
fuir une ville, fuir des souvenirs et quitter un navire en plein naufrage. Je me casse, vivre comme un naufragé qui a survécu en exil, comme un ange déchu. J'existe, je le ressens, enfin je suis convaincu, en vie et officiellement disparu. Je me casse vers un monde inconnu, disparaître sans laisser trace, comme si je passais dans le triangle des Bermudes. J'espère tout effacer, je repeindrai par-dessus le passé jusqu'à ce que portrait et paysage aient disparu. Jusqu'à ce que portrait et paysage aient disparu. Poisson rouge tournant dans le volcan, c'est fait pousser des ailes, vous ne le verrez plus. Je stagne, fais-tu sur place, maintenant je nage les papillons, vous ne me verrez plus. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. J'ai tout laissé, tout donné, je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. C'est super, c'est terrible, c'est super bien foutu. Alors, bravo, Silver Lee. C'est chouette, c'est beau, c'est épique, c'est... Voilà, alors, l'homme pâle ou pas l'homme pâle, maintenant. Tu sais quoi, j'ai juste envie qu'on s'écoute un tout petit coup de l'homme pâle pour voir ou s'il y a du l'homme pâle beaucoup, ou s'il y a du l'homme pâle pas assez. Prisonnier chez moi, les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Avec les mains et je reste increvable. Non, c'est bon, vas-y, continue à donf. T'inquiète, c'est pas grave, on s'en fout. On va te comparer, mais. Non, non, on n'est pas du tout dans le. J'allais dire dans le. On n'est pas du tout dans le dans du sous lompal. Je trouve que t'as ton son, je trouve que c'est. C'est super bonne idée, cette guitare un petit peu aérienne avec de l'écho, là. Franchement, moi, je suis un peu sur le cul et c'est magnifique, y compris, évidemment, tes textes et ce que tu racontes. Tout à l'heure, je vous disais à propos de je sais plus qui, c'est compliqué dans le rap de se trouver un nouveau son parce que tout le monde est... Bah voilà, là, on est carrément ailleurs et c'est magnifique. Bravo, mon gars, t'as bien fait d'insister. Bah non, 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 c'est cool. Tranquille, tranquille. Waouh! Dis donc, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous tous là? J'espère des putains de méga stars, quoi. Vous le méritez tous. Enfin, tous moins le quart, pas tous. C'était trop cool. Pétard. Tu sais quoi, je te repasse à la fin. Je vais dire que c'était ma découverte de la semaine. Parce qu'à chaque fois, j'ai mon coup de cœur. Et ben, c'est toi, mon garçon. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est bien! Et pareil qu'Alexis. Alors Alexis, c'est mon coup de cœur à chaque fois. On va dire, on est d'accord. Mais voilà quoi, c'est trop cool. Bah dis donc. Allez, on continue. Ne m'oublie pas, chaton, dans les messages Insta. Yaïla, vous me ferez penser d'appeler chaton, monsieur chaton ou madame chaton, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. On continue le voyage, c'est trop cool. On en était où? Bon cœur, l'heure dorée. Ta guys, please, écrivez vos bios plus courtes. Ok, en anglais parce qu'on est international, mais en français, s'il vous plaît, d'accord? French pianist and composer, bon cœur, entre parenthèses, Dorothée Trouba, capture les émotions. Ok. Elle vient d'une famille de musiciens, donc c'est une femme. Elle a fait un EP qui s'appelle Indicible, qui a été réalisé le 27 janvier.
J'ai cru en janvier 2027, mais non. Voilà, 1 million de streams sur Spotify. Ouais, allez, on a hâte et on écoute Bon Cœur, L'Heure Dorée. C'est parti. Après, j'attaque Food J Madrigal. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est compliqué hein, de faire des petites ritournelles toutes simples. Mais là, c'est pas abouti. Il y a des choses qui sont jolies au début, on s'attend à... Et puis après, il y a un petit catalogue qui défile comme ça. Que dire. C'est compliqué. Moi, je trouve qu'il faut du courage pour se balader. Voilà, regardez le titre qu'on a écouté tout à l'heure d'Alexis. On avait des accords qui, au fond, étaient assez classiques. Et tout d'un coup, il y en a un qui vient nous cueillir et on se barre ailleurs. Mais voilà, c'est ça qu'on attend. Là, on a une succession de cartes postales, quoi, qu'on a déjà vues, revues, revues. C'est poétique, c'est doux, encore une fois, c'est bien. Mais il manquerait juste le petit twist qui fait que, tiens, on se barre ailleurs. Voilà. Je suis désolé, hein, mais voilà. Alors, je sais que en ce moment, les pianos romantiques, on le vend en poupe. Mais pétard, les gars, au début du 20e siècle, les gars, ils shootaient plus. Enfin, je fais pas une apologie de la drogue, mais je veux dire, ils allaient loin. Et Satie, il était complètement barré et tout. Il faut retrouver un petit peu de folie. Oh, hey, réveillez-vous. Indignez-vous, faites des trucs de dingue avec votre piano, faites des trucs qui sonnent pas de temps en temps pour nous faire un tout petit peu mal et après nous faire du bien, quoi. Voilà. Allez, on continue. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit là ? Putain, je me suis perdu. J'ai promis à quelqu'un. Comment s'appelle-t-il à celui que j'ai. Food J Madrigal. Voilà. Alors, il nous a fait 2 envois et on a tout accepté de lui.
Lequel je passe? Ben, je passe respiration. Allez, on respire. On en écoute un autre pour voir. Il y a un son, c'est cool. Le sax, un petit peu. Bon, le sax, il est un tout petit peu faux, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Par contre, c'est très chouette, je dirais, ce mélange. Et encore une fois, la prod hip-hop un peu. Alors, il y en a qui disent le pied il est un peu fort, ok. Mais j'aime bien ce côté organique, c'est super chouette. Et en tout cas, encore une fois, la mayonnaise a pris là. C'est-à-dire qu'on a un ensemble, un fluide qui, hop, qui nous happe. Et puis, on est embarqué dans, je dirais, dans un voyage, dans un paysage. Et c'est ça qui est... Et voilà, c'est le rôle de tous les musiciens. Je vous rappelle que le musicien, à la base, est un sorcier et qui doit mettre l'autre en transe. Et là, on a envie de faire plein de trucs. Un sax un peu sexy comme ça, un peu brut, un peu avec des crowds derrière. Il y a une espèce de jungle sonore qui est très, très, très sympa, mais apprivoisée. Et ça, c'est le boulot d'Orphée, de civiliser la nature, de l'agencer, de rendre les lions doux comme les agneaux et de rendre les pierres douces comme de la mousse. Vous pouvez noter, Yaïla, rendre les pierres douces comme de la mousse. Merci. Non, c'est très cool. Merci, camarade. Fuji Madrigal. Fuji Madrigal. C'est très, très, très chouette. Et on sent qu'il a fait des voyages, et qu'il a été un petit peu partout et qu'il a ramené toutes ses influences. Là aussi, c'est le boulot du musicien. Nous sommes des nomades par excellence, donc nous ramenons des sons d'ailleurs. C'était très cool. Allez, on continue notre voyage, les amis. Où en sommes-nous? Bon, là, bon cœur, le piano solo, la pauvre Dorothée, j'ai pas été très sympa avec elle, mais il y a un moment donné, les gars, putain, faites des accords, enfin, essayez de faire des accidents dans les accords. Maintenant, l'artiste s'appelle De Leo et le titre Satellite, français, et c'est une... Est-ce que c'est une chanteuse? Ah, elle a bossé avec Philippe Minsky. Yes, allez, c'est parti. Tin 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 tin.
satellite. C'est ça? Oui. Gotten up my life as a vibe to find. Here comes all the sadness and the lies. If I know my feelings, let's have wine. You have never, you will never. Ça, c'est de la prod, les gars. Alors là, on a du lourd quand même. Donc, on a ce groupe qui s'appelle De Léo. C'est Denis à la guitare, Émilie au chant, Félicien à la basse, Ben à la batterie. L'histoire, c'est que Denis, il a envoyé des sons sur des plateformes de musique et puis il a séduit un producteur anglais qui s'appelle James Sanger, qui a eu au moins 20 Grammy Awards. Et qui a vendu plus de 70 millions d'albums, et qui leur a proposé de bosser avec eux. Il les avait fait venir dans son studio en Normandie,
Et donc, on sent qu'il y a un travail de fou furieux derrière. C'est-à-dire grosse prod, avec toutes ces différentes couches dans lesquelles ils nous font passer. Au début, la voix un petit peu filtrée avec la voix acoustique, et puis ça monte, et puis ça monte, et puis ça monte, et puis waouh ! Bon, donc là, on est sur une super prod. Apparemment, vous avez des avis mitigés, comment ça se fait? Alors, il y en a qui disent un peu trop de reverb dans le mix à mon goût, mais j'adore l'univers du track. Morgane, elle en profite pour appeler les gens à venir faire des fêtes, à passer chez elle en Bretagne. Morgane, elle fait des crêpes à tomber par terre, mais par contre, elle a un fluide et elle fait péter les crêpières. Ouais, je sais pas pourquoi, les crêpières, les machines à crêpes meurent d'extase et après, elle est obligée de les finir au feu. Voilà. Je vous aurais prévenu, mais elles sont bonnes, les crêpes de Morgane. Vous pouvez y aller. Bon, ça, c'était gros son, balèze, grosse prod, boulot de fou. C'est vraiment une prod à l'anglaise, parce qu'il n'y a que les Anglais qui ont, j'allais dire, cette patience pour à la fois empiler et en même temps faire que ce soit clair. Magnifique. Le groupe s'appelle donc... Le groupe s'appelle De Léo. Et la chanson s'appelait Satellite. Allez, on continue notre voyage. Il nous en reste plus beaucoup. La chanson, là, s'appelle Vénus Attaque. Le chanteur s'appelle Julien Sfer. Il est performeur. Il est instrument solo player. Il est producteur. Il est composeur. Et il est français. C'est parti pour Vénus Attaque. L'amour et la beauté ne font qu'un. Alors je t'ai trouvé. Face à moi se tient le plus bel être jamais créé. J'ai connu un tas de portraits, mais jamais de si beau. Pour que celle-ci verrait en moi du Michel-Angelo. J'ai peut-être pas le corps d'un dieu, mais les abdos d'Hercule Poirot. Est-ce qu'elle me trouverait plus gracieux qu'une toile de Pablo? Devant elle, mes idées se confondent, je ne sais même plus parler. Elle relègue la Joconde au rang d'un dessin d'écolier. Je reste de mal. Elle me repart. Vénus attaque, c'est du playback. Son envie, si je me braque, elle contre-attaque.
Ça, c'était presque c'est pop frais avec un tout petit côté légèrement obsolète, les guitares de Prince. Il y avait un petit côté fin des années 80-90, mais en même temps, bon, le jeu de mots, Vénus attaque. Alors pour le coup, on a un tout petit peu des soucis avec le texte parce que la prod est tellement là qu'on perd le message. Et puis le double lead voicing, c'est-à-dire la voix doublée à l'octave, ça rappelle aussi les procédés princiers du siècle dernier, mais néanmoins c'est bien fait. Il y a le petit gimmick qui rentre dans la tronche. Ça peut-être, on pourrait dire que est-ce que ça manque de profondeur. Bon, on sait pas, mais en tout cas c'était une proposition qui était claire et nette. J'ai envie d'écouter un peu plus de ce garçon, en tout cas. Le propos du fait que nous soyons ensemble à vous débriefer, c'est aussi qu'on est, nous on est orienté musique à l'image, c'est-à-dire que vos musiques, on va les proposer à plein de vidéastes et tout, et dans ce cas-là, ça libère un petit peu. De toute façon aujourd'hui, il y a plus de mode, il y a plus de son, voilà, il y a des sons qui viennent de partout, et du coup c'est ça qui fait aussi que on vit une époque et réjouissante en termes de créativité, moins en termes de géopolitique. Mais bon, voilà, il faut voir le verre à moitié plein. On a des compositeurs qui sont formidables. Lui, il s'appelle Vénus. Non, lui, il ne s'appelle pas Vénus. Il s'appelle Julien Sfer, et sa chanson Vénus attaque avait un petit charme désuet de la fin des années 80 qui, moi, me fait me rappeler. Vous rappelez, Yaïla, vous n'étiez pas né en cette époque? Mais c'est une époque qui avait du charme, quoique vous n'avez pas connu les années 70. Moi, je les ai connus un jour, je vous raconterai les années 70. Allez, on continue notre voyage, on arrive à la fin. Évasion, je l'ai déjà passé tout à l'heure. Oui, c'était Silver Lee. Il y a R, Jordan. Je l'ai passé aussi. Et maintenant, et ben voilà, Jérôme Gray qui chante Son of a Witch. Hello, I'm Jérôme, I'm 43. I'm French, I'm a professional musician. I played for a long time in a rock band. I also compose and I play various styles. Bon. Various strings in. Bon. Bon, les amis, il faut me chiader un tout petit peu les bios. Mais voilà. C'est parti. Le dernier, Son of a Witch. Et après, je passerai mon coup de cœur qui était... Vous avez suivi, Ayla? Oui, j'ai suivi. Oui, le coup de cœur, c'est Silver Lee. Silver Lee. Yes. Allez, c'est parti pour Son of a Witch. Ça commence très bien. Le western, ça va chier à mon avis. Ça va défourailler dans pas longtemps. Waouh, tu le sens, le monastère mexicain? Il n'y a pas que la cloche qui est mexicaine. Thank you.
Ben dis donc. Alors attendez, là je vois Caroline, elle a envie de chanter, mais pétard, branchez-vous et faites des trucs ensemble et vous nous montrez les enfants après. J'ai l'impression d'être en 99 sur caramel. Bon, c'était trop cool. C'était bien, hein. Ça me faisait penser, oui, c'est ça. Donc évidemment, vous l'avez compris, c'est un pétard de guitariste. Il s'appelle Jérôme Gray. Il a joué avec un groupe qui s'appelait Mephisto Group. Et puis ensuite, il était chez Hardbanger. Et puis maintenant, il fait aussi le guitariste d'un duo qui s'appelle Rome Grenadine. Mais bon, voilà. Donc là, le chanteur, c'était le dobro, vous l'avez compris, cet instrument métallique. Et ce qui était bien, c'est qu'on entendait ce gros afterbeat avec un bruit de chaîne. On appelle ça le chain gang. En réalité, c'était la musique des bagnards, des bagnes du sud, des États-Unis. Pour la plupart, évidemment, c'était des afro-américains qui avaient volé une pomme et qui se chopaient 80 ans de bagne. Ouais, ouais, ouais. Oui, monsieur. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, le coup du chain gang, ça veut dire qu'ils étaient tous enchaînés les uns les autres. Et pour taper soit les cailloux, soit pour fixer le rail, bah, pour qu'ils tapent en cadence, il y avait un chant qui faisait « un ton ». Un, tum. Donc 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que le coup, il était sur le deuxième et le quatrième temps parce qu'il fallait donner l'impulsion. 1, bam. 1, bam. Et on appelle ça du coup l'afterbeat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A 1, a 2, a 3, a 4. Bref. L'afterbeat, c'est réjouissant. Les anglo-saxons, quand ils vont dans une salle de concert et qu'il y a un concert, ils tapent sur l'afterbeat. Et nous, en France, on tape sur le premier et le troisième temps. Et ça fait le rythme de la bourrée. Allez, on termine cette super session avec mon coup de cœur de la semaine. Et c'est un garçon. Et il s'appelle Silver Lee. Et sa chanson s'appelle Évasion. À la semaine prochaine. C'est quand le prochain Twitch ? C'est à moi de le dire. Putain, faut tout faire dans cette maison, je te jure. C'est le 10, quoi. 10 mai. 10 mai. Eh bien, voilà, c'est le 10 mai, mercredi prochain. À la semaine prochaine, les amis, continue d'envoyer les sons. Et je vous jure, on va rattraper notre retard. Vous êtes encore nombreux qu'on n'a même pas pu écouter. Et voilà, allez, on se quitte avec Silver Lee, Évasion. Et après, on fait un raid, girls. Ah ouais, sur qui? Tip Stevens. Il fait une soirée composée, c'est ça? Il fait une soirée quoi? Composition musique en live. Eh ben, c'est parti. Et nous, en attendant, Silver Lee, Évasion. Ciao, guys. Les filles, répondez, il y a quelqu'un. Poisson rouge tournant dans le bocal. C'est quoi l'adresse pour adresser les sons? Vous ne le verrez plus. C'est affiché là-haut. J'ai stagné, fais-tu sur place? Maintenant je nage le papillon, vous ne me verrez plus. C'est bon ça. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. Bah oui, mais c'est tout. J'ai tout laissé. Silver Lee, t'as mon coup de cœur, donc on l'écoute deux fois. Je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. Je fends l'air comme un katana. Évasion d'un détenu, coursé par les malinois. Le temps presse, je dois tracer avant que le passé me rattrape. À toute vitesse, concentré à éviter tous les obstacles. Les opposants, je les sèche, plus je les fume sans filtre. Sortie directe, je les rejette, tels des gaz nocifs. Ont raté leur vie, ne veulent pas que tu réussisses. Criblent dans leur routine, n'ont jamais pris aucun risque. Sont bons qu'à polluer l'atmosphère. Je lutte contre l'effet de serre en roue arrière. Direction un monde imaginaire. Demain c'est loin, je ne serai plus le même qu'hier. Je suis ma propre bouteille, jetée à la mer. En immersion dans un MMORPG. Un jeu que personne n'a jamais pu terminer. J'explore et je nique tout comme un loup assoiffé, un vrai danger. Pour ceux qui vivent dans la sécurité, tu te rends
rends compte ce que t'as loupé quand tu quittes, ce qui t'a bloqué, réapprendre à respirer, supprimer la chicane. Accélère comme une tortue naissante prête à prendre le large. Je vous mettais pas sur mon chemin, je vous écrase. Un bulldozer programmé pour faire table rase. Mon passé loin derrière moi suffit d'un coup de gaz pour fuir une vie. Fuir une ville, fuir des souvenirs et quitter un navire en plein naufrage. Je me casse vivre comme un naufragé qui a survécu en exil comme un ange déchu. J'existe, je le ressens enfin, je suis convaincu. En vie, officiellement disparu. Je me casse vers un monde inconnu. Disparaître sans laisser trace, comme si je passais dans le triangle des Bermudes. J'espère tout effacer, je repeindrai par-dessus le passé jusqu'à ce que portrait et paysage aient disparu. Poisson rouge tournant dans le vodka. C'est fait pousser des ailes, vous ne le verrez plus. Je stagne, fœtus sur place. Maintenant je nage les papillons, vous ne me verrez plus. Tigre captif a rompu ses chaînes et retrouvé la jungle, vous ne le verrez plus. J'ai tout laissé, tout donné. Je n'ai plus rien à perdre, vous ne me verrez plus. Faire le truc 5, 4, 3, 2, 1 pour une fois. On peut le faire ? Sans déconner. Pardon Silverly, hein, je me suis un peu lâché et tout. J'espère que tu m'en veux pas. 5, 4, 3, 2, 1.